Bonjour, Paul Da Costa de Fleury-Outaouais. Je suis portugais d'origine. Mes parents ont immigré du Portugal ici dans les années 70, comme beaucoup, beaucoup de Portugais. Et moi, je suis né ici, mais élevé dans le milieu portugais, la culture, les valeurs portugaises. Et puis, mes parents sont très impliqués dans la communauté portugaise de la région. Moi aussi, j'essaie de faire ce que je peux de m'impliquer. J'organise le tournoi de golf de la communauté portugaise à chaque année. Fait que moi, je suis en affaires depuis 3 ans avec la compagnie Freebies Outaouais. Nous, on se spécialise dans la fidélisation de la clientèle pour les entreprises. On a beaucoup de PME de la région qui sont déjà clients avec nous. Et puis, j'adore ce que je fais. Je fais affaire avec des entrepreneurs de toutes sortes, de toutes nationalités, comme ici au Portugalos. Une entreprise de la région, mais dirigée par un immigrant portugais. Si vous n'avez jamais eu la chance de manger ici, venez goûter à la bouffe portugaise traditionnelle. On a aussi le marché Joaquim, qui a des produits de partout, de différentes cultures. Alors, si vous aimez la nourriture internationale, c'est une merveilleuse place à visiter. Le Planet Foot, qui vend des articles de football, des équipements et des jerseys de tous les pays qui participent à la Coupe du monde. Alors, beaucoup d'entreprises comme ça. Et beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de différents milieux, différentes origines. Alors, j'en rencontre beaucoup. Et puis, je crois que c'est définitivement quelque chose qui bénéficie l'économie ici en Outaouais et au Canada en général. Puis, je suis vraiment content de vous dire que Freebies a été nommé parmi les finalistes au Gala Excellor de la Chambre de commerce de Gatineau. Alors, mon père, ma mère sont très fiers. Et puis, mon père était entrepreneur, il a commencé très, très jeune. Il parlait à peine le français, à peine l'anglais. Et puis, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui au niveau de la foire, le RAEM, la chambre de commerce. Il n'y avait pas l'Internet. Alors, c'était très difficile. Alors, moi, je vous encourage, si vous vous lancez en affaires, si vous êtes en affaires, profitez des outils, que vous soyez immigrant ou non. Je pense que vous pouvez tous bénéficier de ces outils-là. Puis il y a quelques années, je suis allé à la foire comme visiteur. Je n'étais pas en affaires, mais j'avais un intérêt à me lancer en affaires déjà à ce temps-là. Puis j'ai bien aimé le concept. Puis cette année, je vais être là comme exposant. Et puis ça va me permettre maintenant de rencontrer des entrepreneurs, partager ce qu'on fait et échanger. Alors je suis très excité. Je vous invite tous à venir. C'est à la Maison du citoyen. Il va y avoir tout plein d'activités, de la nourriture, de la musique. Et puis, ça va être un bel événement. Alors, je vous invite, on se voit là le 4 novembre.